Vibhyo Namo Namaha. Ajanulambitabhujo kanakavadato sankirtane kapitalo kamalayatakshu. Vishvambaro dvijabaro yugadharma palo. Vande jagat priyakaro karunavataro. Anga shamalima chatabiramito mandi kritandi varam jadyam jagudaroshi samvidadatam patambarasya shriyam. Vrindaranya nivasinam ridasadama viryamudaram radaskanda nivesito jvarabhujam jaye madamodaram. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. J'offre mes hommages respectueux à mes maîtres spirituels, Nityalila Prakrishna Vishnupa, Shishimachi Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Prabhupada, Nityalila Prakrishna Vishnupa, Shishimachi Lagolgovinda Goswami Maharaj, Nityalila Prakrishna Vishnupa, Shishimachila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Nityalila Prakrishna Vishnupa, Shishimachila Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, all Rupanuga Guru Varga, Vaishnavacharyas, and tous les Vaishnavas and Vaishnavis. Je m'excuse si je cherche mes mots, hein, je suis habitué à parler en anglais, bien que le français soit ma langue natale. Très, très, très honoré, hein, bien sûr, d'être ici pour la première fois. Et plus que honoré, puisque très étonné de voir comment ce temple ressemble à un vrai, vrai temple, comme on n'en voit plus beaucoup de nos jours. Donc, c'est absolument merveilleux d'être ici. Et je remercie vraiment Uma Didi qui était donc programmée pour venir faire un programme et j'en ai profité pour suivre dans ses traces. Ça m'a permis de revoir mon vieil ami Yati Maharaj. Et donc, je vous remercie de m'accueillir vraiment. C'est très gentil de votre part. Donc, 10 minutes. Vous savez que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, juste avant de prendre sannyas, il avait recommandé à tous ses disciples, enfin pas disciples, mais ses dévots, ses membres, tout ça, qui étaient venus le voir intuitivement, sans savoir qu'il allait prendre sannyas, la veille de son départ. Il avait recommandé de ne chanter, de chanter constamment, que ce soit en marchant, en s'asseyant, en mangeant, en dormant. Chantez Hare Krishna, ne faites que ça et ne faites que rien d'autre, ne faites rien d'autre. Hein? Il avait insisté sur cette instruction-là. Donc, son intention, c'était d'avoir pris sannyas, c'était lui-même d'avoir aucune obligation envers la société pour pouvoir lui-même s'absorber dans le chant du Mahamantra. Donc, il voulait aussi ne faire que ça. Donc, par son exemple, il voulait que le reste du monde suive dans ce principe de chanter Hare Krishna constamment. Donc, il a pris sannyas. Je raconterai pas l'histoire entière, parce que vous devez en avoir déjà entendu parler. Et le jour, donc le lendemain, il est parti vers Kadwa, où Keshava Bharati, le maître spirituel, qui était un impersonnaliste, devait lui donner sannyas. Il arriva là-bas. Il avait donc couru sur 21 miles, ça veut dire c'est une distance énorme après avoir traversé le Gange tout mouillé alors que c'était l'hiver et il avait couru donc jusqu'à Kathwa qui est donc à 1 heure en train de Navadvip et là il était entré dans l'ashram de Keshava Bharati et Keshava Bharati était assis comme ça et il était absorbé dans ses méditations et tout d'un coup il a vu une effulgence comme si le soleil s'était levé dans l'ashram. Donc, il a été surpris, il a regardé vers la sortie, il a vu que Nimai Pandit venait juste d'arriver. Donc, il s'est levé pour l'accueillir, il a posé quelques questions. Es-tu Nimai Pandit? Nimai, yes, I am. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu? Il dit, je suis venu pour prendre sannyas. Donc, il lui a dit, oh, prendre sannyas,
Ta femme est 14 ans, ta mère universelle, comment puis-je te donner sannyas? Hein? Je pense pas que ce soit possible de ma part de faire cette chose cruelle envers l'humanité. Il lui a dit, je veux que te donner sannyas, mais il faut que tu ailles demander la permission à ta mère, que tu reviennes avec cette permission. Donc Mahaprabhu, tout de suite, il s'est tourné et couru à nouveau vers Navadvip. Et là, il a pensé, oh, il a une nature qui est tellement forte. Comme un commandeur, et il pourra obtenir tout ce qu'il voudra. Donc c'est pas la peine de le laisser partir là-bas. Il a envoyé quelqu'un pour le ramener et il lui a donné sannyas. Une fois qu'après lui avoir donné sannyas, je passe sur la cérémonie, tout ça. Et une fois qu'il a eu donné sannyas, Mahaprabhu était constamment, même pendant les cérémonies, tout le temps en train de chanter avec des émotions très très profondes, très très brillantes. Hein, et fulgente, et si bien que Keshav Bharati, hein, il s'est aussi investi dans le kirtan de Mahaprabhu. Et quand Mahaprabhu est parti de Katwa, avec l'intention d'aller à Vrindavan, Keshav Bharati l'a suivi pendant énormément de temps. Mais arrivé à un point donné, il lui a dit, maintenant tu rentres, et je vais continuer, je veux aller à Vrindavan. Il y avait avec lui, Nityananda, il y avait Chandrasekhar, il y avait, I think, Mukunda Das, et peut-être une autre personne, Gadadhar Pandit. Et donc, Mahaprabhu avait qu'une seule idée, c'était une obsession d'aller à Vrindavan. Donc, il partait, mais sans la conscience extérieure, il courait dans tous les sens. Des fois, elle allait vers le nord, des fois vers l'est, vers l'ouest, vers le sud. Personne n'arrivait à comprendre ce qu'il faisait. Mais il disait, je veux aller à Vrindavan, je veux aller à Vrindavan. Il n'y a rien d'autre qui m'obsède en ce moment que d'aller à Vrindavan. Donc, il partait en courant, et des fois, les dévots, très inquiets, perdaient de vue. Surtout la nuit, quand il entrait dans les forêts, et il n'y avait plus tout d'un coup, plus aucun bruit. Et après quelque temps, l'angoisse les avait complètement pénétrés et ils entendaient Mahaprabhu dans un coin de la forêt. Ha Krishna, Ha Krishna, où es-tu, où es-tu? Et là, ils disaient, oh, il est vers là-bas, allons le voir, le réconforter. Ça. Mahaprabhu pleurait constamment, constamment. Donc, il le retrouvait. Et Nityananda, il avait qu'une idée, c'était le faire revenir sur Puri, parce que c'était la décision que sa mère avait prise de que Mahaprabhu vive à Puri, pas très loin de Navadvipa. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à le faire revenir vers l'est, c'est-à-dire vers Puri. Et une fois arrivé à Shantipur, Mahaprabhu a demandé, est-ce qu'on est loin de Vrindavan? Nityananda lui dit non, là il y a la Yamuna, en lui montrant le Gange. Et donc, Mahaprabhu dit, oh, je ne savais pas qu'on avait atteint Vrindavan si rapidement. Et il a plongé dans le Gange, en pensant que c'était la Yamuna. Et après quelques ébats dans les eaux du Gange, il vit tout d'un coup Advaita Acharya, qui venait d'être prévenu par quelqu'un pour le réceptionner. Et il a dit, oh, Advaita Acharya, comment savais-tu que j'étais à Vrindavan? Advaita Acharya, il dit, quoi? Vrindavan, tu es dans le Gange. Alors il dit, oh, il a eu sa conscience, est devenue extérieure à ce moment-là. Il s'est tourné vers Nityananda et dit, oh, il m'a trompé. Il m'a fait croire que j'étais à Vrindavan. C'est Nityananda. Et donc, Advaita Acharya lui a dit, à ce moment-là, il dit, non, 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 il t'a pas trompé. Parce que le Gange à Prayag, là, à Allahabad, et la Yamuna se rencontrent. Et donc la Yamuna, elle coule du côté ouest et le Gange du côté est. Donc il dit, tu te baignes dans le côté ouest, là où il y a la Yamuna. Donc tu es. Il dit, de toute façon, partout où tu te trouves, c'est Vrindavan. Je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument nous faire croire que tu veux aller à Vrindavan. Parce que tu es toujours à Vrindavan. Hein? Donc en fait, après, quand on lit les commentaires des Acharyas sur ce passage, pourquoi Mahaprabhu était obsédé par l'idée d'aller à Vrindavan, ce n'était pas parce qu'il voulait aller à Vrindavan. C'était pour nous montrer que, en fait, Vrindavan, c'est un niveau de conscience. C'est pas seulement une localité, mais c'est un niveau de conscience.
C'est-à-dire un niveau que l'on peut atteindre en suivant la sadhana bhakti, c'est-à-dire le chant des cinq noms. Et lui-même l'a démontré. Et il l'a démontré de quelle façon? De façon tellement, tellement merveilleuse, puisque toutes les émotions, les symptômes d'extase, sattvic bhav, vyabhichari bhav, tout était manifesté en Mahaprabhu à chaque pas. Hein, il était en train de, comment dire, manifester cette extase spirituelle, il chantait le nom de Krishna en séparation, très 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 intense, hein. Et il montrait que ça c'est Vrindavan. Le vrai Vrindavan, on peut l'obtenir sans aller jusqu'à Vrindavan, mais on peut l'obtenir par le chant des saints noms. Hein. Et en fait, ce qu'il voulait montrer, en fait, c'est qu'est-ce que c'est Vrindavan? Vrindavan, c'est un endroit qui ressemble un peu à notre monde ici, hein, puisque malgré le fait que Nanda Maharaj et Yashoda Maya et tous les habitants de Vrindavan sont des êtres exceptionnels, sont les êtres les plus merveilleux, glorieux et exaltés de tout ce qui peut exister dans le monde, monde spirituel. Mais eux-mêmes ne sentent pas qu'ils sont si exaltés que ça. Ils pensent nous sommes de simples personnes, nous sommes des gens ordinaires. C'est leur état d'esprit. Nous sommes des gens ordinaires. Donc, ils vivent de façon très, très simple. Hein. Ils se comportent comme des gens ordinaires. Même Krishna, il n'est pas perçu comme Dieu, la personne suprême à Vrindavan. Il est conçu aussi comme une personne ordinaire. Mais parce qu'il fait des choses qui sont extraordinaires, malgré le fait que son opulence n'est pas ni présente de façon, comment dire, évidente. Bien sûr, ceux qui ont les yeux pour voir l'opulence de Vrindavan, ils peuvent la voir. Surtout quand Krishna soulève la colline Govardhan, quand il tue les démons et tout ça. Mais en vérité, à Vrindavan, l'opulence est présente, mais elle est recouverte par la douceur. Et Chaitanya Mahaprabhu voulait montrer que cette douceur-là, elle est dans le but de notre pratique spirituelle. C'est le but, c'est ce qu'on veut expérimenter. Être conscient, c'est une chose. Avoir la connaissance, c'est aussi une chose. Mais c'est inférieur au bonheur spirituel, à l'extase spirituelle. Donc c'est ce que nous devons chercher et trouver dans notre pratique spirituelle, le bonheur spirituel. Et ce bonheur spirituel, il n'est pas différent du but de notre pratique spirituelle, le prema, l'amour pour Krishna. Et cet amour pour Krishna, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, hein, prema ras viryas kurite ashvadan, lagamarga bhakti loke kurite pracharan, il est venu pour le donner. Bien que ce soit la chose la plus élevée et qu'on peut pratiquement se considérer comme les êtres les plus déchus, il est venu même pour donner ces choses-là à des personnes comme nous, les Occidentaux, et c'est la première tentative en fait en Occident de répandre la conscience de Krishna quand Srila Prabhupada il est venu. C'était la première tentative dans les peuplades comme les Mlekshla et les Kesha, tous les Pulinda, et tous les peuples un petit peu inférieur. Et donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, en fait, il a pris sannyas, pas pour lui-même, mais pour nous-mêmes, pour notre bénéfice personnel, pour nous montrer qu'on pouvait, si on acceptait de sa miséricorde, hein, qu'on avait la foi dans ses instructions de chanter le Mahamantra constamment, on pouvait atteindre la plateforme, le niveau de Vrindavan. Là où tout le monde vit de façon la plus ordinaire, la plus simple qui soit, mais qui font des divertissements extraordinaires. Mais pour eux, ce sont des choses ordinaires. Hein. Krishna a une nature qui est très très simple aussi. Hein. Regardez, il a une flûte, hein, c'est-à-dire un petit bambou. Là, elle est en or, mais en fait, à Vrindavan, c'est un petit bambou avec quelques trous. Hein. Donc, c'est pas grand-chose, en fait, un bambou tout sec. Ensuite, il a une plume de paon. Hein. On peut trouver ça n'importe où à Vrindavan. Et des guirlandes de fleurs sauvages, hein, des petites karnikalas, hein, des fleurs couleur bleue et des fois jaune sur ses oreilles, des fois à gauche, des fois à droite, des fois les deux côtés, des fois une, des fois deux, des fois trois, comme ça. Mais décoré vraiment avec les éléments de la forêt, quoi. Mais ces éléments-là sont aussi pas différents de lui-même. Parce qu'ils sont complètement, ils regorgent de rasa, c'est-à-dire d'extase. Donc tout ce qui revêt Krishna est
aussi plein de rasa, d'extase spirituelle, de bonheur. Donc il est intérieurement, extérieurement, hein, il est comme une grosse rascoule, hein, plein de jus nectarien. Et on appuie dessus et il y a ce jus qui sort. Donc Krishna, il est comme ceci. Et mais lui-même n'a pas une grande, comment dire, idée de qui il est. Il se considère comme un pâtre, un garçon bâché. C'est-à-dire, il est ni sannyas, ni comme Mahaprabhu. Il est ni brahmana. Il n'est pas kshatriya non plus. Bon, il n'est pas shudra, ça, c'est évident. Mais il est pâtre, c'est-à-dire quelqu'un de très simple. Ouais. Donc, il veut nous montrer, Chaitanya Mahaprabhu, qu'en fait, cette vie à Vrindavan, qui est très très simple, elle est très très facilement accessible pour nous. On n'a pas besoin d'être des gyanis très 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 érudits, hein, des pandites, hein, de connaître tous les shlokas, toutes les écritures et tout ça. Hein, les trois Védas ou les quatre Védas, on n'a pas besoin de connaître tout ça. On n'a pas besoin d'être non plus un grand grand yogi, hein, savoir faire toutes les asanas, pranayama et toutes ces choses-là. À Vrindavan, ça n'existe pas. À Vrindavan, vous ne verrez pas des gratte-ciel et des choses comme ça. Vous verrez ça avec Kunta. La grandeur se trouve avec Kunta, mais est complètement absente de Vrindavan. Vrindavan, c'est un village avec des petites maisons et tous les habitants vivent là. Mais complètement, complètement, complètement regorgeant de nectar, hein, du divertissement de Krishna. Le lila de Krishna, le divertissement de Krishna, il nourrit à Vrindavan chaque atome spirituel. Que dire des autres entités vivantes? Avec du nectar et du bonheur spirituel, la joie dans le cœur. Donc il suffit par le Mahamantra de connecter avec ce niveau de conscience spirituelle qui est Vrindavan pour soi-même faire partie, hein, de ce groupe de Vrindavan. Et quand ça sera possible, quand ça se fera, par la miséricorde d'un maître spirituel qui nous est très cher et qui est très affectueux et qui appartient à cette lignée disciplique qui est la nôtre, en passant par Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, etc. Quand on aura cette miséricorde, alors on sera complètement sous le charme, la beauté et l'amour de Vrindavan. Et ça, c'est notre but. Et c'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu pour nous donner. Et rien d'autre. Il dit, nous sommes les fils du nectar. Nous appartenons à ce monde de nectar. Et on devrait essayer d'obtenir ce nectar et rien de moins que ça. Hein? Ça, c'est pas Tilakshakshidama, je dis ça. C'est un poète. Donc, il a écrit ces choses-là de cette façon. Donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, en fait, il a pris sannyas pour nous montrer qu'on pouvait vivre à Vrindavan de cette façon et goûter à ce nectar à tout moment. Quand on aura ce nectar, partout où on portera les yeux, on posera nos yeux, on verra que du bonheur et que de la douceur. On verra un arbre, on dira, oh, quelle merveille, quelle sweetness, quelle douceur. On verra une rivière, oh, quelle douceur, on verra la douceur partout. Parce que c'est la nature de Vrindavan. Et si on connecte avec Vrindavan, on va devenir nous-mêmes aussi très doux, très joyeux, etc. Mais si on voit les choses séparées de Vrindavan, alors on aura affaire à l'énergie matérielle. C'est une autre histoire, hein, vous connaissez déjà. Donc après 5 ans, Mahaprabhu, il est retourné en Navadvip. Just 2 minutes. Il est retourné à Navadvip. Et il a donné son darshan à tous les habitants de Navadvip qui étaient complètement, complètement en séparation avec lui. Et quand ils ont vu le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu revenir, ils ont senti que leur vie revenait dans leur corps, que le cœur se remettait à battre. Et ils ont recommencé à être heureux. Et le Gange à Navadvip était couvert de têtes noires, de milliers et de millions de personnes qui venaient prendre son darshan. Et il habitait chez un dévot, Vachaspati Pandit, et il donnait son darshan. Souvent, il montait sur le toit, hein, pour chanter. Et de loin, comme ça, tout le monde voyait le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et sentait que l'amour suprême, cet amour, hein, entrait dans leur cœur pour ne le quitter plus jamais. Et là, il y a quelque chose de très spécial qui se passe, c'est que Bhaktivinoda Thakur, vous connaissez Thakur Bhaktivinoda, il intervient dans cette partie du divertissement de Chaitanya Mahaprabhu. Et il se projette lui-même à la même époque du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Hein?
il visionne soi-même quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était à Shriva Sangam et faisait les kirtans chez Shrivas Thakur, Shrivas Pandit. Des kirtans très musclés, hein, comme on peut dire, excusez-moi mon langage. Des kirtans très puissants, et toute la nuit, hein, pratiquement, on devait le ramener sur une civière pour le ramener chez lui, tellement il se dépensait. Hein. Et Bhaktivinoda Thakur, il s'imagine être partie de ce groupe avec le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Quand il y allait, il y avait les kirtans à Shriva Sangam. Et quand il voit Mahaprabhu habillé comme ça, en vêtements rouges, safran, il dit « Oh Mahaprabhu, s'il te plaît, enlève ton vêtement safran. Tu n'es pas un sannyasi. Hein? Tu appartiens à Navadvip. Remets ton vêtement de dévot de Navadvip et retourne à Shriva Sangam. Hein? » On ne peut pas vivre sans ces kirtans qu'on faisait ensemble. Lui, il aussi se projette dans ce groupe-là, alors qu'il vit 350 ans après, pour dire que Bhaktivinoda Thakur, il n'est pas limité par le temps et l'espace. Il se projette dans les kirtans de Shrivas Pandit, chez Shrivas Pandit, de Mahaprabhu et de ses associés intimes. Il dit, nous étions là, et nous chantions, et nous étions complètement en extase toute la nuit. Hein? Donc, s'il te plaît, ne retourne pas à Puri, enlève ton vêtement. Dans le même mood, dans le même état d'esprit que Radharani, quand elle a rencontré Krishna à Kurukshetra. Elle lui a dit, s'il te plaît, tu n'es pas un kshatriya. Abandonne ton casque, ton armure, descends de ton cheval et rentre à Vrindavan avec nous. Hein? Tu veux être dans notre cœur, mais Vrindavan, c'est notre cœur. Si tu veux être dans notre cœur, tu reviens à Vrindavan. Tu peux pas vivre sans Vrindavan, tu es malheureux comme tu l'es, même si tu es l'empereur du monde entier. Donc s'il te plaît, oublie que tu es un kshatriya, remets-toi dans la tête que tu es un gopa, reprends ta flûte et remets ta plume de pan, et suis-nous et retourne avec nous à Vrindavan. Et ça, c'est tout l'histoire du Ratayatra, que Chaitanya Mahaprabhu essaie de convaincre Jagannath, Krishna, de revenir à Sundarachal, c'est-à-dire à Vrindavan. Et Bhaktivinoda Thakur, incroyable, d'un génie extraordinaire, il est dans ce même mood. Et à la fin de sa vie, il dit, à la fin de ma vie, je n'irai pas à Vrindavan pour passer mes derniers jours, mais j'irai à Kurukshetra. Là où Radharani elle a besoin d'aide, parce que la situation pour convaincre Krishna de retourner à Vrindavan est tellement intense que le moindre petit service là-bas sera récompensé par un amour, le prema, premaras. Donc, Bhaktivinoda Thakur, extraordinaire personnalité. Donc ça c'est nos acharyas, et nous avons donc très fortuné d'être apparus dans cette lignée disciplique. Il suffit de lire et de comprendre, de réaliser leurs enseignements pour goûter la même chose. Et tous les acharyas veulent qu'on ait ça, sans exception. Donc on est tellement fortuné. Bon, j'arrête de parler là, j'ai déjà des... Allez, Jasya Prasad Bhagavat Prasad Jasya Prasad Nagati Kutapi Dhaengstvang Jasasti Sandang Bande Guru Si Charanaravindam Mukhang Karati Vachalang Pangurangayatem Giri Jat Kripa Tamang Bande Sri Guru Dinatarinim Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Ajanu lambita bhujo kanaka vadato sankirtana pitarai kamalataksai vishambara dijavara yugadharma palo mande jagat priyo karunayavatinna kalo
কনক জলদ গাত্র নীর পিতাম্বর মৃগমদ ভালো কনক জলদ গাত্র নীল সনাম্বুজ নেত্র মৃগমদ ভালো মালতি কুন্দ মালো তরুর তরুণ বেশ নীর পিতাম্বর সৌ স্মরণীবিত নিকুঞ্জে রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দায় তুলসী দেবই প্রিয়াই কেশবশ্চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্তয় নমো নমো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ফার্স্ট অফ অল আই অফার মাই আনলিমিটেড humble and respectful obeisance to the lotus feet of my most beloved spiritual master Om Vishnupad Ashtarasata Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj also Om Vishnupad Ashtarasata Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj and always begging their costless mercy. Also offer obeisance to the lotus feet of my Param Gurudev Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Also our Rupanuga Acharya Bodhan Maharaj, and also the Maharaj who are sitting here, I offer obeisance to all of you and all the devotees who are present, my humble obeisance to all of you. I first give the thanks of this Maharaj, they are, and all the devotees who are somehow give me some chance to come here. En premier lieu, elle voulait donc remercier. Comment elle est pleine de gratitude d'avoir été invitée par vous tous, Maharaj, pour être venue ici. So I am grateful to all of you, especially Maharaj, who are the in charge of the temple. Elle a beaucoup de reconnaissance envers Maharaj, qui est responsable du temple. It is very happy to see here is a devotee community. Understand? They are all together. They are try to develop the spiritual life. Elle est très heureuse de voir comment tous les dévots sont tous ensemble, groupés, et essaient de développer leur vie spirituelle ici. The Paris is not ordinary city, full of luxury and full of enjoyment. And that city, in some far distance, whole beautiful community of devotees, they make try to progress their spiritual life. On dit que Paris, c'est pas un lieu ordinaire. Il y a tellement de gratification des sens et tout ça. Donc, il y a quelques difficultés des fois là-bas. Mais ici, elle voit que toute la communauté est ensemble et harmonieusement essaie de développer leur vie spirituelle. Donc, c'est très, très impressionnant pour elle. Especially materialistic people. Who only know how I enjoy, how make our family happy. Everybody want happy, their names. How my body will be good. So organic, healthy food, make nourishing their body. Understand? The body is not a dead body, but it was composed only 5 elements. Kiti of Tej Morut Bom. Water, sky, air, fire, and earth. They are all busy to nourishing that body. Donc, spécialement dans ce monde, les gens matérialistes, ils sont très préoccupés par les besoins du corps, les nécessités de leur santé, tout ça. Ils sont toujours préoccupés à être en bonne santé, à faire ce qu'il faut pour que leur corps puisse... vivre dans ce monde dans la meilleure des optiques.
The meditation people only know to how give body make happiness, nourishing everything. But they don't know who am I real, who am I. Donc les gens sont très préoccupés pour s'occuper, préoccupés de, par leur corps. Ils sont experts donc dans ce domaine, mais ils ignorent l'essentiel, c'est à savoir quelle est leur véritable identité, qui je suis, quel est mon le but de ma vie. Especially when you die, understand the body intact in front of us. What is missing that body become dead body? Spécialement au moment de la mort, qu'est-ce qui manque à ce corps que le corps devient inerte? So we don't anybody care or anything. What going that I become dead? Eh? They are not any care for this thing. They only keeping the material body. Les gens sont pas du tout intéressés à savoir ce qui se passe au moment de la mort. Hein, on voit que les gens meurent et disparaissent à tout jamais, on revient, ils ne reviennent jamais. Alors, ils continuent à vivre selon leurs idées, leurs conceptions, et ils ne sont pas préoccupés de savoir ce qui se passe au moment de la mort. Only if you are a very fortunate soul, then you can come in the spiritual life. Donc seulement si une personne est une âme spirituelle fortunée, peut-elle venir à la vie spirituelle elle-même. In Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Chaitamrita told, Brahmando bhumite kono bhagyavan jeev guru krishna prasade bhai bhakti rata bish. So this is the thing. Everybody not possible to come in a spiritual life who have the previous life some impression knowingly and unknowingly have done any spiritual help or any service. Then they will get opportunity to darshan, go take the shelter of guru. Tout le monde n'a pas la possibilité de venir à la vie spirituelle de façon automatiquement. Hein. C'est dû sûrement à toutes les impressions, la sukriti, c'est-à-dire les activités spirituelles qu'on a accomplies dans les vies passées, à qui s'accumulent et qui permettent à la personne d'être spontanément attirée vers la vie spirituelle. What guru gave? Seed, what seed he gave? Le maître spirituel donne ce qu'on appelle un seed, c'est une graine, la graine de la dévotion. Everybody, every person, jivo, they have one seed they have. That is called swarup. Swarup, swarup, one, everybody have swarup, spiritual one. Form is there, everybody heart. Chaque individu dans ce monde, il a une graine à l'intérieur du corps dans lequel il y a sa swarup, sa forme éternelle. C'est un potentiel qu'il a dans son cœur. That is called seed. But Gurudev what seed? Gurudev that desire to serve Krishna. To give that desire to serve Krishna, that is the nourishing the seed. Understand? So, Gurudev, maître spirituel, il nourrit cette graine et il inspire cette personne à travers le nourrissement, nourrissement de cette graine à vouloir servir le Seigneur Krishna. That is called Krishna Seva Basana. Hein? To why Krishna, special Krishna? Because we are all coming from Krishna. Gita Bhagavan told Arjuna, Momai Bangse, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, all entity is my part and parcel. So when we are came, we must be have some duty to serve. Hein? Toutes les entités vivantes, selon le Bhagavad Gita, Mame Vansu, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, sont des éternelles parties intégrantes de Krishna. Donc par devoir, on a le devoir de servir le Seigneur Krishna. So, it is, we are origin from the Krishna. À l'origine, nous sommes donc provenant de Krishna. So, when Mahaprabhu Sanatana Goswami, who was the Prime Minister of the Usen Saha,
He also asked Mahaprabhu, who am I? That question coming, who am I? Why am I suffering so many, suffering, why am I so much misery and suffering to come my life? C'est Sanatana Goswami qui était le premier ministre d'Usensha, un musulman, gouverneur. Quand il a rencontré le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il lui a posé les questions suivantes. Qui je suis et pourquoi la souffrance m'est-elle imposée? Why, Jayan, how I can come out? How benefit coming my life? Comment puis-je sortir de ce cycle? Et quel bénéfice puis-je obtenir dans cette vie? But mostly we are not anybody have any knowledge about who am I. Understand? We are giving our physical body identification. Who are you? No, my name is, I am the living in the France, I am living in England or India. It is my man or I am woman. I am giving by heart. But the real who am I, that is when will be question coming and who give the answer? When you are very fortunate told to Gurudev. Spiritual master before Sadhu Sangha is very important of our life. Vaishnav, devotee association, then this question coming. En général, les gens ignorent leur identité véritable. Ils ne savent pas qu'ils sont une âme spirituelle. Donc, ils sont complètement élusifs à ce niveau-là. Et leur fortune viendra le jour où ils approcheront un maître spirituel qui pourra les éclairer sur ces questions essentielles. Qui je suis? Comment sortir du cycle des morts et de la naissance? Everybody wants happiness. Nobody wants sorrowness, I think. Tout le monde veut le bonheur. Personne ne veut la douleur, le chagrin, la souffrance. But why we don't want anybody want suffer, sorrow? Then why sorrow and suffering, misery come our life? Si personne ne désire la souffrance, hein, le chagrin, lamentation, tout ça, pourquoi ces choses-là viennent automatiquement dans notre vie? So our Guru Bhargava give that in your this previous life of activities, that sorrow will be coming, happiness also coming. So not give time for happiness or sorrowness. You try to give some time for spiritual life. Donc les acharyas précédents dans notre lignée expliquent automatiquement, dû à notre karma dans nos vies précédentes, que la douleur, la souffrance viennent automatiquement. Donc les sages, au lieu de se préoccuper de ces choses-là, ils focalisent leur intérêt sur le développement de leur vie spirituelle. So I am very, very much happy, and it is very great pleasure that all the community they are living, they try to follow and to progress their spiritual life. Donc, who are living here? Oui. They are not in so much observing the material. They are trying to some spiritual activities under the guidance of Maharaj. So they are trying to progress their spiritual life and do something that their life will become successful. Donc, Umadidi est très très joyeuse, voit que ici, congrégation là, très très intéressée, absorbée dans le développement de leur vie spirituelle sous la direction de Maharaj et tout ça. Donc ça la vraiment réconforte, hein, et que ainsi, de cette manière, en suivant cette connaissance et cette pratique, notre vie sera couronnée de succès. This type of community very pale, looking very real, understand? Very real. Yeah. We cannot find. But I am very happy to come here. Donc cette communauté a un aspect très réel, et Umadidi dit qu'elle est très heureuse de venir ici. Under the guidance of the Maharaj, you are following. This is your life will be successful, little bit. That it will be make your life successful. En suivant, et aussi avec Maharaj ici comme guide, votre vie deviendra couronnée de succès. Ça ne fait aucun doute. In Bhagavatam told, give that if anybody come in a temple, do some active service, understand? After then, if
fallen in the trap of Maya. Understand? What will be harm? And another person what will life follow the doibo bannasam dharma, properly duty of their family. What will be gain? Understand me? Si une personne vient et fait du service au temple, mais que plus tard il est rattrapé par la vie spirituelle, par la vie matérielle, que deviendra-t-il? What will happen to him? Or what, that what is the was, thing what who are do? Come in 5 days in that doing some service of temple. Mm. Then he fallen or he have died. What harm? What harm? And if anybody, one person have done fully dedicated his life for his family, what will be gained? Yeah. Because who have done little bit, one day come in ringing the bell, Aruti time, or do something, but he must be after he have fallen down. He will be, that is going in the spiritual bank account. That will be go with him next life and make from there. This is the devotional power. Devotional power is anything never destroyed. So, si une personne vient au temple, fait du service, sonne les cloches ou quelque service que ce soit, et si pour une raison ou pour une autre doit partir, retombe dans les griffes de Maya ou doit quitter son corps, quelle est la perte? Il n'y a rien à perdre. Dans sa vie suivante, reviendra pour recommencer sa vie spirituelle là où elle l'a laissée. Et si une personne suit le Varnashram Dharma, vit dans la société toute sa vie, à quoi cela aura-t-il servi? Qu'est-ce qu'il aura gagné par ça? Rien du tout. Chaitanya Chaitanya also told Krishna Das Kaviraj Goswami, Varnashram is, if properly do the properly their duty, what they will begin? Without Krishna Bhajan, they will be go road of Narok, hellish planet. Special Narok. Ceux qui suivent le Varnashram Dharma, qui font leur devoir de façon très très précise, mais qui n'adorent pas le Seigneur Vishnu, quel sera le résultat? Ils seront obligés d'aller en enfer. And Narottam Das could sing a song, Hari Hari, Bipore Janamo Gwainu, Manushto Janamo, Paya Radha Krishna Nabodhya, Janiya Suniya Vishokainu. I so beautiful, no defect my body, human. No my body, no defect. Good health, everything. But I am doing no bhajan of Radha Krishna. Pesari Radha Krishna bhajan. Na bhajya, janiya suniya. I knowingly drinking the poison. Mon corps n'a pas de problème. Il est en très très bonne santé, mais de façon infortunée, malheureusement, je ne fais pas le bhajan de Radha et Krishna. Then, why is... Then? Knowingly, I drinking the poison. Donc, c'est comme si je buvais du poison en, tout en le savant, sachant. The human life not for the enjoyment. Donc, la vie humaine n'est human, pas faite pour la réjouissance matérielle. So that is a different animal and human. That animal don't come, for not possibility come in the spiritual life. Understand? They are eating, sleeping, enjoying, sense enjoyment, everything they are doing like a human being. But they cannot. Their consciousness, not fully consciousness, some cover, and they are no intelligent. Their intelligence is not developed. They don't know what is good, what is bad. They only know how to eat, how to sleep, and how to enjoy. And a human being also do the same activities. What is different in a man, a human being, an animal? Donc les animaux, on voit, ils sont préoccupés par leurs besoins personnels physiques, manger, dormir, s'accouper, se défendre. Et ils sont engagés dans ces activités de façon continuelle. Ils n'ont aucune inspiration intellectuelle qui pourrait les mener à s'interroger sur la vie spirituelle, la nature de la vie spirituelle au-delà de ce corps. Donc quel est le bénéfice pour un être humain qui ferait les mêmes activités? Aucune. C'est comme un animal à deux pattes. C'est mon cas. So it is not possible everybody will come. Who are fortunate, so previous life of impression. Here is how many. But still they are doing, eh?
How many people living nearby? Who are come? Very few. Because any jewelry shop, any diamond shop, very few customer is going. Understand? But in the other hand, cheap meat shop, other fish shop, so many crowded there. Donc, voyons le nombre, actually, en fait, de personnes qui viennent ici au temple par rapport à la population, le plus grand nombre. C'est très limité, c'est très réduit, en fait. Quels sont les gens qui intéressent vraiment à la vie spirituelle? C'est très réduit. Mais c'est comme quand il y a un gros joyau à acheter, il n'y a pas la queue dans ce magasin pour pouvoir le procurer. Mais quand il s'agit d'acheter de la viande et des choses comme ça, alors là, il faut attendre pendant des heures pour pouvoir acheter ça. What I will tell, how you are fortunate, under the guidance of Maharaj, you are trying to follow devotional life. So it is not ordinary. How we are previous life have done something, so you are with the family, and it is a one of the community center of devotee. So you are so, I am so happy, pleased to see all of you. Elle est très, très heureuse et plein de bonheur de voir cette communauté de dévots là qui sont pratique la vie spirituelle avec Maharaj et qui ont peu délaissé les affaires matérielles de ce monde. All Guru Varga bless all of you and try to progress. The chanting, our Mahaprabhu showing our in the modern age who came, who was Radha Krishna combination, he came as a Chaitanya Mahaprabhu, he give. The what is the Kali Yuga? No possibility to austerities like a Satyayuga. Understand? Satyayuga human being life is so long, thousand and thousand years. Not possible Dwapara-yuga, not Treta-yuga. Not to worshipping, mind is so restless our in Kali-yuga, and no sacrifice is not possible because all the pure thing not available. So in this Kali-yuga, what you will be do? How you progress your spiritual life? Only chanting. Mahaprabhu told, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Ivo Kevalam, Kalo Nastevo, 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 Gotiranda. Three times. No, nothing, Karma, Gyan, Yoga, anything not help you in the Kali Yuga. Everything result in the Nam. Mahaprabhu est venu pour donner le chant du Saint-Nom, hein, Harinam, Harinam, Evakabalam. Mais ce chant du Saint-Nom, il s'adapte parfaitement à la qualité de l'âge dans lequel nous vivons. Dans les âges précédents, comme le Satya Treta et Dwapara Yuga, les gens vivaient très 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 longtemps et devaient faire des austérités absolument extraordinaires pour pouvoir arriver à leur fin, à la perfection spirituelle. Mais dans cet âge, ce n'est pas possible. Le mental toujours dérangé pour toutes sortes de raisons. Donc le meilleur moyen pour atteindre la perfection, c'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même est venu pratiquer et nous a demandé de faire, c'est de chanter les saints noms de Krishna. Harinam, Harinam, Hare Krishna. Peshari Chaitanya Babu, the association of Rupa Goswami, who are called Chaitanya Manovishtam, Stapitam Jena Bhutare, Swayam Rupam Kadamajjhang Dadati Sapante, Swapadantikam. Rupa Goswami, what is about his book, Bhakti Rasamrita Sindhu, and also, what is the definition of bhakti, for who are wanted to devotion increase and following the path, and progress their devotional life, they must be know something about the theory. What is the meaning of bhakti? What is the definition? Anna bilasa sunnam jnana karma navritam anukulya no Krishna. Every activity will be Krishna favorable. No in disfavorable. And all no other desire for my happiness. Anna bilasa sunnam only for Krishna. Happiness, my Gurudev happiness, unlimited desire must be your heart, but no desire for my family, my happiness. This is called Anna Bilasa. And we must be know Krishna is the supreme personality of Godhead. Every activity that I will do for Krishna service. Srila Rupa Goswami, un des généraux en fait du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Manovistam, qui avait aussi comblé les désirs
et connaître les désirs de cœur du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il a donné vraiment la définition la plus profonde, la plus complète de la bhakti. Anyabilasita sunyam, gyanakama dhanavitama nukuvine krishna nushiranam. Bhakti Rutama. En disant que cette bhakti doit être faite exclusivement à travers nos activités, nos paroles, nos pensées, pour le bonheur de Krishna, la satisfaction de Krishna, de façon favorable. Elle ne doit pas être couverte non plus ni par le karma, le jnana, le yoga, les autres activités, les austérités, l'astrologie, etc. Donc, ce bonheur exclusif que l'on veut offrir à Krishna s'appelle la pure bhakti si elle n'est pas mélangée avec des activités intéressées ou de la recherche de la spéculation philosophique qui cherche à obtenir la libération impersonnelle. Donc ça, c'est le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il a donné une définition spécifique de ce que c'était que la bhakti à travers les paroles, les explications de Rupa Goswami. So in this way we see now all activities are they not public, devotee not I am saying, they are doing that all the things for their family happiness, own happiness, every activity is doing. But a devotee is also doing, but not for his. For he are doing for how Krishna happy. How my children become Krishna consciousness to teach them. And everything develop them. They are separate. Devotee life is separate. They are doing, looking the same. They are cooking also for themselves. But not, they are first offering Bhagavan. Then that prasad they are taking. Donc les gens préoccupés par leurs propres nécessités, besoins personnels se préoccupent donc des activités, des nécessités donc de la famille, des enfants et tout ça. Ils font tout ça de façon intéressée. Mais le dévot, il fait les mêmes activités, mais il le fait en fait en mettant Krishna au centre de son intérêt. Et il fait tout pour le plaisir de Krishna quand il cuisine, quand il est chez lui, quand il engage ses enfants à pratiquer aussi la conscience de Krishna en fonction de leur capacité, tout ça. Donc il y a une conversion qu'il faut établir, passer d'une activité à une autre, qui va changer complètement notre vie et qui va la rendre merveilleuse. Every materialistic people only desire how I will be happy, how my family happy. Only this thing. And that devotee are trying to see, they put the Krishna in the middle. And doing every activity for Krishna. They are doing job, any business for Krishna. And then the remnant they are giving the children. Every activity for Krishna, happiness. And where ordinary people are doing their happiness. So there is some opposite, dependent coming and result coming so much. Alors les gens font tout pour leur bonheur personnel, leur famille, leurs enfants. Ils se préoccupent que de ça. Alors que le dévot, il ne le fait que, en fait, tout ce qu'il fait, il le fait pour le plaisir, la satisfaction exclusive de Krishna. Et il y a donc une grosse différence, et le fruit, le résultat de ces deux activités sera pas dans de la même nature, il sera opposé. Still you are not come, fortunate, then sadhu sangho and not gurudev, then who will be tell? Your family never tell you do spiritual life. They will be no, you can serve me more. So in if you have some fortune, so that come somehow sadhu sangha, come them with sadhu, and from sadhu then will be get opportunity to take the shelter of bona fide guru. And then guru give him relationship with the Krishna with by divine mantra. Si ce n'est par le maître spirituel, notre propre famille ne va jamais nous inspirer à servir le Seigneur Krishna, à nous diriger vers une vie spirituelle. Mais par la miséricorde de Krishna, on rencontre un maître spirituel qui va nous expliquer comment développer cette pratique spirituelle et donc nous permettre d'atteindre la perfection de l'existence. All the relations, my husband, my children, all the relationship is temporary. Every life we change our address. Understand? Every life we change our address. Family. Address. Address. Of family. Every life change. But if the Gurudev, Vaishnava, they are eternal. So Dibbogan, Dirajai, Janme, Janme, Pavute, not only one life.
After I still I not become perfect, then Gurudev again and again help me. Donc notre vie matérielle est temporaire, elle a un début, une fin, mais les relations qu'on a avec le maître spirituel, avec Krishna, sont éternelles. Vie après vie, notre maître spirituel va nous aider à progresser, à nous mener vers le but. Donc il y a ces deux voies qui sont distinctes l'une de l'autre, et les personnes qui sont fortunées vont à la voie qui leur permet d'aller vers Krishna. This is our spiritual master telling in the language Guru. You know everybody, Jai Gurudev ki Jai, we are speaking. What is the meaning of Guru? Quelle est la signification de Guru? On dit Gurudev. Guru means Andhakar, darkness. Guru means light. Guru means we are fallen in the darkness of ignorance. Ignorance, darkness, we are fallen. And Gurudev dragging to us. We have no qualification, but Gurudev is so merciful. He dragged to us from the ignorance that is full of darkness. Guru. And drawing the beautiful light, shining light of spiritual. Guru, deux mots, deux syllabes. Guru signifie profonde ignorance ou darkness, obscurité, hein? Obscurité. Hein? Alors que Ru signifie que cette personne va nous sortir de cette obscurité, de cette ignorance, et va nous mettre sur la voie étincelante, hein, et pleine de joie de la vie spirituelle. So we have prayed Oggan, Otimiran, Joshua. What Oggan? I am fully on. Oggan means Indian unconsciousness. Oggan means unconsciousness. Jnan meaning. The what I am consciousness? What I am, and organ is unconscious, that time all thing is black. Understand? So I am, we are pray, oh Gurudev, organ, oh Timirandrasu. I am fallen in the organ, unconsciousness, and I am ignorant, full of ignorance, darkness, that ignorance is full of dark. Gyana Anjana Shalakaya, please could give me some divine knowledge to me, like a in your some defective eyesight, then in that there is some anjan ointment that make your bite round. So Gurudev, how you giving gyan? By put the gyan anjana shalakaya, by your knowledge, divine knowledge. Then I can understand. So I wanted to pray Gurudev, that Gurudev bring me, drag me, brought me and drag me, and showing the spiritual, very beautiful light. Then that Gurudev, I wanted to offer my pranam, obeisance. On prie Om Gyana Timirandasya. Agyana, mais ça signifie en Inde, les gens comprennent cela comme signifiant qu'on est complètement comme dans un coma. On est complètement inconscient. Donc cette inconscience-là, c'est pleine d'obscurité. Sans lumière, c'est une profonde, profonde noirceur. Et le maître spirituel, on lui demande dans cette prière de éclairer notre vision et de nous illuminer par la connaissance, de manière à voir les choses d'une façon spirituelle, d'une façon transcendantale, et de nous amener donc à la plateforme spirituelle. Our Goswami showing devotion. Divided two, one is rules and regulations, Vaidhi Bhakti, one is Raganuga Bhakti. I'm very short and finishing. And so, when we are now first stage, we are follow Vaidhi Bhakti rules and regulations. Because no spontaneous love for Krishna. Understand? Vrijavasi, they have spontaneous love for Krishna. But I am no, then I must be follow proper time aroti, proper time offering, auction, everything proper. Rules and regulations. Must be need. Sur cette voie, il y a deux principes, Vaidhi et Raganuga. Raganuga sont les personnes qui éternellement ont le cœur qui baigne dans la transcendance spirituelle et qui servent Krishna d'un amour et d'une affection innée, c'est là dans leur cœur éternellement. Et la voie de la Vaidhi Bhakti, c'est la voie de ceux qui n'ont pas encore ce privilège de servir et qui veulent entrer sur la voie donc des principes régulateurs de manière à préparer leur cœur
à pouvoir devenir comme les éternels associés de Krishna. Donc, le Vedic Bhakti, c'est la voie, en fait, qui nous permet d'atteindre plus loin et plus tard à l'amour spontané pour Krishna. Mais on doit passer à travers cette Vedic Bhakti, hein, ces principes qui reposent sur les Écritures, qui nous disent qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire les choses de cette façon, etc. Who follow Ragadmika? Who is the Ragadmika? Brijabashi. Who is the Brijabashi? Nanda Baba, Yashoda, Sidam, Subol, and Radha, Gopi, they are Brijabashi. They are spontaneously love for Krishna, that is called them Ragadmika. They are so full of rag, love for Krishna. Ragadmika sont les personnalités dans le monde spirituel qui servent Krishna éternellement. Comme Nanda Maharaj, Yashoda Meya, comme Radhika, Lalita, Vishaka, Subal, Sudam, Dam, Vasudam. Toutes ces personnalités-là, ils ont un raga, ils ont un amour intense, une absorption totale dans le service d'amour de Krishna. Hein? Atmika, c'est dans l'âme, et raga, c'est cet amour-là. Donc, c'est ces habitants-là qui ont cette raga atmika, qui sont appelés raga atmika, raga atmika, jan. Whole life, we are not, we try to gradually one kindergarten, then we come one to one class, two class, standard two, three. So our not only we are always in whole life will be follow Vaidhi Bhakti. Try to hearing Krishna pastime, everything, try to promotion, get up. It is not easy, but according Guru Master and Vaishnava Master, one day come up. And then try to more. So Mahaprabhu also came for this world, giving what thing? Honor pita chorin chirat korunavatin nakalo samar piyata unnata ujjara rasangsa bhakti istiyam. Mahaprabhu came to give not only bhaidi bhakti, he wanted to give vajo prem everybody. So and more, Rupa Goswami give more thing, rupanuga bhajan, raganuga and rupanuga. So now I am finishing, Maharaj giving, and then it is now 8:01 o'clock. Donc au début, dans notre vie spirituelle, c'est un petit peu quand on était dans la garderie des enfants, hein, au tout début. Ensuite, on passe dans les classes élémentaires, supérieures, et progressivement, on va vers le haut. Donc cette Raganuga Bhakti, c'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu pour donner. À la cité inversée, Anarpitam Chalim Chilat Karunaya Vatina Karo. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu pour donner cet amour spontané pour le Seigneur Radha Krishna. Donc, il ne faut pas rester non plus dans la même classe toute sa vie, rester comme un débutant, mais progressivement, par la pratique assidue de notre service de dévotion, sous la direction de nos maîtres spirituels, on va progresser avec espoir jusqu'à devenir des dévots qui sont qualifiés pour obtenir l'amour spontané pour Krishna. Donc ça, c'est le but de notre vie spirituelle. Il faut méditer sur ça quand on pratique pour pouvoir l'atteindre et avoir une idée de ce que c'est que ce but spirituel qui nous est donc donné à travers notre pratique. This is the main, when we have made relationship with Krishna. Now we are my Lord, my Master, and I am Das. But gradually will be tried to any relation at the parental mood, friendship mood, or beloved mood. And more than Mahaprabhu that day came to King Kali mood, in future any time when I get opportunity, little bit I wanted discuss, then otherwise not hearing Krishna pastime, beautiful, sweet pastime, no desire to coming to enter in the Raganuga Bhakti. For this thing, we are little bit discuss how mother twist the ear, supreme personality of Godhead. How Shoka eating something and see the beautiful laddu, even immediately give the mouth of the Krishna. That is when we will be coming. Now we are follow Vaidhi Bhakti, we cannot do anything in eating and they that hand will not put anything for Krishna. We must be follow. But when that hearing some desire will be coming, greed will be coming, then we enter in the Raganuga Bhakti. Donc maintenant, à nos débuts spirituels, on suit la voie de la Vedic Bhakti, qui est basée sur les règles et les régulations, mais progressivement, il faut savoir que plus tard,
dans notre avancement spirituel, on va développer une relation spontanée avec Radha et Krishna, avec Nanda Maharaj, avec Yashoda, avec Gaur-Nityananda. Et donc cette relation-là va nous permettre d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et faut, même si ça nous paraît très très élevé, et que ça sera seulement possible de l'atteindre dans le futur, il faut comprendre que c'est quand même le but de notre démarche. Et qu'un jour, on sera amené à partager les activités du Seigneur Krishna, de ses compagnons éternels, comme eux le font eux-mêmes dans le monde spirituel avec Krishna. Comme la mère Yashoda, par exemple, quand elle voit que Krishna devient trop espiègle et fait beaucoup de sottises, elle le prend, elle lui tire l'oreille comme ça, et elle le corrige, et si ça va trop loin, elle prend un petit bâton et elle le poursuit pour le corriger. Tout ça. Et Krishna, il tremble, il pleure, il dit s'il te plaît, ne me frappe pas cette fois-ci, je ne ferai plus cette offense, je te le promets dans le futur. Et aussi Subal, Sudam, les amis de Krishna éternels qui le considèrent sur un pied d'égalité, qui goûtent les friandises que leur ont préparées leur propre mère pour savoir si elles sont assez bonnes. Et une fois après les avoir goûtées, elles les mettent directement dans la bouche de Krishna, hein, sans aucune honte ou quoi que ce soit. Voyez. Donc ça s'appelle l'intimité spirituelle, c'est notre but. Donc Uma Didi, elle explique que maintenant on ne peut pas se mettre à faire les choses, manger et ensuite les offrir aux déités, tout ça de la même main qui nous a servi à manger, c'est notre bouche. Mais plus tard, quand nous serons donc au-delà des contingences de ce monde et que notre vie spirituelle aura complètement développé, épanoui, qu'on entrera dans l'amour spontané, c'est des choses auxquelles on sera côtoyé, qu'on sera donc prêt à, disons, mieux comprendre et mieux digérer. Again, I thanks all of you, especially Maharaj. I am very grateful to Maharaj. He have allowed to me. And also, I pray to our Guru Vargo, they can bless all of you. And also bless me, then you can develop your devotional life. Uma Didi, elle est très très reconnaissante, pleine de gratitude d'avoir été invitée ici par Maharaj. Et donc elle prie à toute notre lignée disciplique, succession hiérarchique, qu'elle nous bénisse par leur miséricorde et qu'elle aussi reçoive cette miséricorde. Donc on est aujourd'hui donc sous la miséricorde spéciale de Uma Didi, qui prie pour notre bienfait, bien-être spirituel. Hein? You can speak till 20 more minutes. 1:30. 1:30, I think I must go. Oh, what is time? 1 o'clock, not other thing. 1:30. They are changing a little bit today. I am paired because you have proper time. I wanted not disturb your discipline. So this is now I little bit then discuss, maybe I discuss about the what is the some pastime of the Krishna. Donc little là... bit. Very. Because if you are here this pastime, our Guru Varga mainly, then you have greed coming, then you wanted to, how can I do service with that desire coming? You not qualified. That is no matter. Greed can come anybody heart. Greed can come anybody heart. Donc elle veut raconter des divertissements de Krishna de manière à ce qu'on ait un désir passionné pour pouvoir entrer dans ces divertissements, les comprendre et pouvoir les réaliser et ensuite pouvoir participer dans ces divertissements. Damodar pastime, I am telling you. Donc un dévi- what I had my Guru Varga, very sweet pastime. Un divertissement de Radha Damodar, qu'elle a entendu de sa lignée disciple. Krishna become very famous in the Vrindavan Dham, Bhattathip. Oh, Radha Damodar avec Yashodameya. Donc Krishna est devenu très 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 connu à Vrindavan
comme étant le voleur de beurre. He has supreme personality of God. Any body, any incarnation of God, you see, the God as Lord is stealing butter or anything. But Krishna is very famous in Vrindavan. That just like a human pastime, you see, supreme personality of Godhead, but in Brajorila, just like a full of sweetness, eh? And full of apple, not only sweet, full of apple also present there. Bien que toute l'opulence, hein, la richesse du monde spirituel se trouve à Vrindavan, Krishna, qui est Dieu, la personne suprême, est réputé comme étant un voleur de beurre. Que l'on ne retrouve cette activité ne peut pas se manifester à travers les autres incarnations de Krishna. Hein. Mais ce Krishna-là, qui est la suprême, l'origine suprême de Godhead, de Dieu, la personne suprême, est lui-même un garçon qui va aller dans les maisons des voisines pour voler leur beurre. I'll try to quick explaining, because 120 minutes, quick, money. Because I don't. J'ai compris ce qu'elle dit. J'ai compris ce qu'elle dit. Acha. Now Krishna is so naughty. Supreme Personality become naughty. I used to go everybody house, donc stealing butter. What is the meaning of butter? Heart of the gopi is like a so soft. He is stealing the heart of gopi means he is stealing the butter. Donc Krishna est très espiègle. Il se rend dans les maisons des voisines. Et ils volent leur beurre. Que signifie ce beurre? En fait, c'est l'amour qui est dans le cœur de ces gopis qu'il va donc prendre pour lui. When Krishna, small boy, 2-3-year-old boy, came in gopi house, gopi told, welcome, Kanaya, I make today fresh butter. I wanted to give. Then Krishna told, why? Why I take butter to you? My father have 9 million cow. I have sufficient butter. Why I will take? Then when I go to take birth in the Jamuna, that time all is party, boy, party enter and taking the butter, stealing butter and other things, spoiling and go back. You don't understand? The end, the end. And a little bit saying, so Krishna, because everybody not understanding. Deux ans et demi, il est chez une voisine qui lui dit, j'ai fait du beurre pour toi, merveilleux. Et Krishna se tourne vers elle et lui dit, pourquoi je devrais accepter ce beurre? Mes parents, ils ont des 900 000 vaches. Donc, est-ce qu'on manque de lait pour faire du beurre chez eux? Donc, pourquoi je devrais accepter ton beurre? Après, elle a dit quelque chose, j'ai pas très bien. In this way. What was this point with the Yamuna and the other? They went to the god Jamuna taking bath, and that time all boy and Krishna entered their house and stealing butter. Okay. And all spoiled the yogurt, everything. Donc cette personne-là qui voulait donner du beurre à Krishna se sont absentés pour aller prendre un bain dans la Yamuna. Et à ce moment-là, Krishna avec tous ses amis sont rentrés dans cette même maison et ils ont complètement dévalisé tous les produits laitiers. So they are used to come, Mother Yashoda complain. Sweet complaint, not against. Sweet complaint that your son always going to our stealing butter. Every gopi used to come and give that complaint about the Krishna. Tous les gopis donc voisines de Yashoda venaient les unes après les autres se plaindre à Yashoda Devi que son enfant régulièrement, pratiquement tous les jours, venait dévaliser leurs produits laitiers, leur beurre. One time a gopi also raised hand caught Krishna. Une fois une gopi a attrapé Krishna sur le hiding in the room when Krishna that time he caught his hand. Krishna smiled to him, oh mother, oh Maya, why you caught my hand? Donc elle a attrapé Krishna par la main, le poignet, et Krishna tournant vers elle avec des yeux plein de d'anxiété. Pourquoi tu as pris mon poignet? Pourquoi m'as-tu attrapé? Why are you stealing? Alors elle lui dit, pourquoi tu voles? Well, Maya, it is not my house. I think it is my house. I am taking. Well, oh. Okay. In this way, and when smile, and mother become, some hand become so caught, and some become weak. Money?
a tithe, and then Krishna Rana. Donc Krishna dit, oh, je m'excuse, je crois que c'était chez moi, je crois and que c'était smiling, ma maison. Oh Maya. Il regarde autour, il dit, oh, c'est vrai, je crois que c'était chez moi. Donc à ce moment-là, elle a relâché son étreinte sur sa main, et Krishna a profité pour la retirer, s'échapper en riant. One day, one gopi also, somehow he caught hand and told, today I not had anything, chalo, we can go, your mother not believe, my son is stealing, so I am taking to you. Kanaya told my mother, please, I never come, please don't take me to my mother. But Gopi don't hear, he forcibly with a cover his head and cover her head, big, long, according to Vrijabhati, big veil. Went to the hand, very strongly holding and taking Kanaya to his mother. Une fois donc, une Gopi attrape Krishna par la main et lui dit maintenant, puisque ta mère ne croit jamais, ce qu'on lui dit sur tes délits, on va te ramener tout de suite à elle et on va démontrer qu'en fait, c'est vraiment un voleur qui vient nous dévaliser tous les jours. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se recouvrir, comme le font en général dans la tradition en Inde. Elle va aussi mettre un châle sur le visage de Krishna. Et elle le tire vers la maison de sa maman. And when going after some distance, Kanaya told Maya, You caught so hard, pain coming. Please, next hand, change your my hand. Another light hand, you can caught me. Okay. You can catch. Mother told, first give your hand, then I will be changed. I not so much full. I will be changed and immediately will be learn. So you first give your hand, then I will be. Then Krishna give an hand and mother very person be taking. Donc, après quelques distances, Krishna se plaint à cette gopi en lui disant « Oh, tu m'as serré mon poignet tellement fort, je souffre, s'il te plaît, lâche ton étreinte. » Elle dit « Tu me prends pour une imbécile ou quoi ? Donne-moi d'abord ta main et ensuite je changerai mon étreinte de poignet. » Alors Krishna dit « Ok. » Donc il lui donne la main et ensuite il continue vers la maison. And when he arrived already, gopi lady, and then still is darkness, full no sun coming. Ma Yashoda is busy, and that time he are shouting, Yashoda, Yashoda. Yashoda think, why so much shouting? My son is sleeping will be break. So he are coming, she is coming, and so Krishna is lie down, Krishna sleeping there. So he come and told, why are you shouting so much? My son is sleeping. Disturb his sleep. Eh? Well, yes, I know your son is sleeping. Eh? See, whom I am, your son in my hand. Krishna, Mother Yashoda, look again. Now my son is sleeping. Then he get up the veil of the son and his gopi's head. See whom you are taking. So his own son. He catch the own son. Means when Krishna told that you chain my hand, then he are giving his own son. Because they are also follow. So he give and he came and sleeping. Donc cette gopi appelle Yashoda. Yashode. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Mon fils est en train de dormir tranquillement. Pourquoi tout ce tapage? Donc elle va à la porte, elle reçoit cette gopi. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ce bruit? Mon fils est en train de se reposer, il est pleinement endormi, tu vas le réveiller. Elle dit, ton fils, oui, c'est le cas de le dire. Et elle dit, je l'ai surpris en train de voler mon beurre et je l'ai amené pour te prouver que c'est vrai. Parce que lui, il dit que c'est jamais possible. Donc elle va soulever le voile qui recouvre Krishna, mais ce Krishna-là est très 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 malicieux, qui est toujours suivi par les enfants et surtout c'est aussi l'enfant de cette dame. Et quand il a voulu changer de position en lui donnant une autre main, il a pris celle de l'enfant de cette femme. Et donc, elle est en train de lui montrer son fils. Et Yashoda lui dit, mais où est mon fils? Il est en train de dormir, je viens juste de le voir. Et tu dis que c'est mon fils alors que c'est le tien. Et là, elle regarde complètement. And in the meantime, Krishna come broke it like this way. Maya, see how the speak like?
He's not properly make it, feed the son. They are eating, they are stealing, and take my name. So, okay, then they are blame to me, so I will be go tomorrow stealing that water. Donc Krishna sort de sa chambre avec les yeux encore toujours lunettes et il se frotte les yeux en disant Aïe, mais t'as vu comme il me traite de voleur alors que je suis en train de dormir et tout ça. Hein? C'est leur fils qui vole leur beurre, mais ils sont pas parce qu'elle les nourrit pas, elle les nourrissent pas assez. Et donc ils se lamentent, ils se vengent en prenant leur beurre, mais au lieu de les accuser, ils accusent moi en mentionnant mon nom. Donc je suis complètement innocent. Mais à cause de cette accusation, à partir de demain, je commencerai à voler. In this way, so many complain that one day Mother Yashoda thinking what happened, why they complain? Maybe I not chant yoga in my hand, understand? My maidservant, maybe maidservant not careful, they old yoga become sour and then making the chanting that butter coming, butter also become sour. So my son go to another house, their own their hand, they are making butter, the sweet butter. Because they are very careful, my maidservant not careful, they are whole butter, yoga the churning and make the butter sour. So my tomorrow I'll be churning butter, I will be churning yoga, make butter for my own hand. Donc finalement, à la fin, elle se pose les questions suivantes. Elle se dit, mais comment ça se fait que tout le monde se plaint? Donc mon fils doit aller chez elle, chez ses voisines, pour voler leur beurre. Donc quelle est la raison? Peut-être mes serviteurs ne font pas les choses correctement quand ils font les friandises pour Krishna, hein, quand ils font le beurre et le yaourt. Peut-être leur beurre, leur yaourt est aigre, donc Krishna ne l'aime pas. Donc il va voler à côté, chez qui ces personnes font un yaourt qui est très doux, qui est très sucré, qui est très agréable à manger. Donc elle décide, à partir de demain, c'est moi qui vais prendre les choses en main. C'est moi qui vais faire traire les vaches et faire les friandises avec le beurre de mes meilleures vaches. So evening time, she give the all money, all the maidservant. Tomorrow you not need to come, you take rest and holiday. You go, no need to come. So give the all maidservant holiday. Donc le lendemain, elle appelle les serviteurs le soir même et elle dit demain, à partir de demain, vous prenez des vacances. Vous n'avez pas besoin de venir au travail et c'est moi qui prendrai la relève. Evening time, she himself milking some cow, very beautiful cow, making milk and then make hot boil and make yogurt in a big pot. Eh? And next morning, early morning, when she get up from the bed, where Krishna and mother sleeping the same bed. He get up and put a pillow, Krishna front in neck to Krishna, that Krishna can think my mother is sleeping with me. And he change in night cloth and go to all the yogurt, put a clay pot. Understand? Because that time no churning machine in India. Blending machine. So put a stick with a rope binding and now she is ready to chant. Donc elle va elle-même traire les meilleures vaches, hein, qu'elle a. Et donc elle prend soin de son lait, elle le prépare, elle le transforme en yaourt. Et ensuite elle se couche avec son enfant près d'elle. Et très tôt le matin, elle se lève pour barater le lait, pour en faire du beurre, etc. Donc elle fait très attention en quittant le lit de mettre un petit peu le champ. Un petit oreiller de manière à mettre le bras de son fils sur cet oreiller de manière à ce qu'il pense que sa mère est toujours là. Et elle se lève très, très doucement sans le réveiller et elle va faire son travail. D'ailleurs, elle va s'asseoir, elle va mettre le beurre, le lait qui était prêt à donc être baratté et qu'elle fait donc à la main comme je le faisais dans les temps passés. Now, mother ready? Hein? Mother ready to chant? Yeah. 5 minutes. Mother ready? And churning the, pulling the rope in the stick and yogurt inside and mother rolling the with the rope pulling and danda become making the make the break all the jagat mane that is churning. So mother now is absorbed in the thinking of Krishna.
So he are now chanting and what he's singing. Govinda Damo Dharmadaveti. Govinda Damo Dharmadaveti. Govinda Damo Dharmadaveti. Govinda Damo Dharmadaveti. And singing is all the bangle of his hand make a kartal. Ting ting. And ghar ghar midongo. The chanting, the stick, that sound coming, this is like a midongo. Now Madar chanting the Govinda Damodaro Madhaveti kartal and with midongo. Donc elle s'installe donc après s'être levée. Et elle va vers l'installation pour barater le lait. Et donc elle s'assoit et elle prend la barre, les deux cordes de ses deux mains, et elle, tout absorbée dans les divertissements de son petit enfant, elle commence à chanter Madhavadaveti. And the bed. Et donc ses bracelets font un bruit comme les cartals qui accompagnent son chant, et le bruit du bâton qui barate le lait, gar gar gar, c'est comme le bruit du midanga. In the meantime, Krishna sleeping on the bed. Any devotee, agar remembering, chanting his name, he cannot sleep. Understand? He will be immediately will be present there. So Krishna feeling hungry. He looking, close his eye, looking at mother. Looking, look at bed. First he touch the pillow. Then so, no, mother not. Open his eye, no, this is not mother. Mother not in the bed. Then he get up. He sit on the bed. And cry. But mother is too absorbed. He don't hear any sound of his son. Then Krishna get down from the very, very hard labor, he get down from the bed and then crying, volume of the crying going more and more, but mother is absorbed, not hearing any sound. Then when he next to mother in back, he one hand he stop the stick and one hand pulling the cloth of mother head. Then mother look and see my son. Immediately pull up affection. From the breast, milking, pouring, showering, and he immediately took the shot and covering and feeding. Donc Krishna ne peut ne pas être endormi ou absent quand quelqu'un chante son nom. Donc il est tout automatiquement conscient et il voit que donc il est dans le lit et il entend le son de ses noms qui est chanté par sa maman. Donc progressivement, il prend conscience que, en fait, en touchant le plafond, c'est pas sa mère qui est près de lui, allongée, mais qu'elle est donc absente. Donc il ressent la faim donc dans son estomac et il veut donc aller vers sa mère. Donc il descend avec tous les efforts possibles, comme un petit enfant de son lit, en s'aidant avec son estomac, ça. Et ensuite, il va vers sa maman et il tire son sari. Et il arrête de sa main, en mettant sa main sur la sienne, le mouvement de Bharat. Et il prend le sari de son voile et il le tient en même temps pour lui montrer « je suis là ». Alors qu'il s'était mis à pleurer encore plus fort, sa mère ne l'entendait pas, étant absorbée dans son travail. Et là, donc, il l'arrête manuellement. Et sa maman, donc, le voyant qu'il était là, le prend sur ses genoux et lui donne son sein qui est regorge de lait qui est automatiquement comme un symptôme d'extase déborde de l'amour. Then mother saw the white chanting stick stop. Then she saw her son and feeling her breath. Donc voyant que le mouvement de Bharat avait été donc arrêté par son fils, elle le prend sur ses genoux et lui donne son sein. In that time when Krishna very happily feeling her breath. And mother also thinking and mother also feeding him. In that time, some cow milk was in the oven, fire, understand? Some cow milk on the fire. That cow, in the Vrindavan, everything is conscious.
Yes. So Milka thinking, mother breast have so much milk, never finish. And Krishna's stomach is so large, so unlimited Brahmando in the Krishna's stomach. He will be not satisfied, he will be drinking and mother will be feeding. Then when I will get opportunity to serve Krishna? If I not able to serve Krishna, what is important in my life? Fire on me. So he are falling on the fire. Donc en même temps qu'elle donne son sein, son lait à son enfant, il y a du lait aussi sur le feu qui est en train de bouillir. Le lait monte à la surface donc, du pot et il regarde, parce que dans le monde spirituel, tout est conscient. Donc le lait regarde l'enfant et la mère qui le nourrit et pense au Yashoda dans son sein, elle a des océans de lait illimités. La mère universelle, donc elle n'a pas de limite pour nourrir son enfant. Et Krishna, lui aussi, il est aussi comme illimité, il peut boire autant de lait qu'il y a dans le sein de sa mère. Donc, quelle est ma participation dans le service de Krishna? Je vois que je n'ai pas d'engagement. Donc, le lait se lamente et en regardant au-dessus du pot, il voit qu'il y a du feu en dessous. Il se dit, plutôt donner fin à ma vie plutôt que de vivre sans pouvoir servir mon Seigneur. Donc, il descend tout doucement comme pour aller se suicider dans le feu. Mother understand. Mother immediately wanted to save milk because this milk make the sweet, make the yogurt, make the butter. My milk not possible and my milk will be reserved any time Krishna can drink. But this milk must be saved. So she wanted take out Krishna and put on the floor. Krishna understand this thing. So he is like a monkey, put two hands and two feet, so strongly mother waist and by mouth, very strongly holding the breast of mother. But mother, with a left hand, sit down. Helplessly, Krishna sit down. When Putana came, when Krishna had 6 days, Putana came with 10,000 elephant power. He could not move an inch, Krishna. But mother, that time Krishna 2 years old, and mother told, sit down. Krishna become helpless. And then broken the pot, and then mother have tied his hand. Krishna, Supreme Personality of Godhead, tied by mother. What type of pastime? Now I am finishing. Mother, you know, you can donc, speak. Donc, Mère Yashoda voit le lait dans sa condition désespérée. Donc, elle dit, je peux pas, avec ce lait, je peux faire toutes les friandises que je ne peux pas faire avec le lait de mon sein. Donc il faut absolument que je sauve ce lait. Donc elle prend Krishna qui était accroché avec ses pieds, ses mains, avec sa bouche sur son sein, tout ça. Et de la main gauche, elle le pose par terre. Ce que Putana n'avait pas réussi à faire malgré sa puissance de 10 000 éléphants, quand Krishna était accroché aussi à son sein. Elle avait essayé de le repousser, mais sans succès. Alors que Krishna n'avait que 2 jours et demi, 2 jours, 2, 3 jours. Là, il avait 2 ans et de sans forcer par son amour pour Krishna pour lui donner du service à travers les friandises qu'elle voulait faire avec le lait, elle l'a déposé par terre. Et elle a sauvé le lait en mettant de l'eau dessus et le lait est redescendu. Ensuite, Krishna, qui était très mécontent donc, de cette nouvelle situation puisqu'il était privé du lait de sa maman, il a commencé à vouloir chercher un moyen de se venger. Il a pris une pierre qui était à proximité et il a tiré cette pierre à la base d'un pot où il y avait du yaourt. Et le yaourt s'est répandu partout. Ensuite, très très content, très fier de sa bêtise, hein, il est parti dans une autre pièce. Mais Mère Yashoda a vu les traces sur le yaourt et l'a poursuivi, elle l'a attrapé, elle l'a attaché. Elle l'a attaché à un mortier qui lui avait servi à aller voler encore du beurre ailleurs. Donc quel genre de divertissement cela est, hein? Que ce Krishna-là, Dieu la Personne Suprême, hein, il est, entre comme ça dans les mains de Mère Yashoda et il est, attrapé, lié à un mortier, menacé. Quelle liberté y a-t-il hein, dans le monde spirituel? Krishna was not free from hand. Hein? Hein? He could not free from the mother binding. But he are liberated, free from the curse of the Narad Muni, 2 trees. Narkuber and Muni Gribu have become three.
He freed them. He liberated them. But he could not. He had tied hands. This is the wonderful pastime of Krishna. If any time, any other, now I wanted already 1:34. So, very, very interesting. Très, très intéressant. Krishna ne peut pas se libérer de l'emprise de sa maman qui a attaché ses mains au mortier. Il ne peut pas se libérer tout seul. Par contre, en traînant le mortier à travers la cour et en plaçant ce mortier à travers les deux arbres, Malarjuna, qui était donc les fils de Kuvera, qui avaient été maudits par Narada Muni de prendre naissance comme deux arbres, en traînant le mortier à travers ces deux arbres, il les a déracinés et libérés. Comment peut-on comprendre que ce Krishna qui n'est pas capable de se libérer, il a tiré un mortier à travers la cour et il a libéré deux arbres qui étaient dans la cour de du palais de Narada Muni. Who is the supreme personality could not get out from his mother's binding, but he become delivered the two trees. Étant Dieu la personne suprême, il ne pouvait pas se libérer lui-même de ces cordes qui l'ont enchaîné au mortier, qu'il avait donc sa mère lui avait attaché, mais il était capable de libérer ces deux personnalités. C'est vraiment la douceur étonnante. Divertissement de Krishna à Vrindavan. Anybody hearing greed coming, I also wanted to, under guidance of Mother Yashoda, that type of loving service to Krishna. That is, we are telling that for some past time, Krishna hearing, the greed will become. Otherwise, greed coming, no other alternative way. And Pesari, in Kali Yuga, Mahaprabhu told, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna. This is my last request. Go, Premanand. Hey, Hari Hari Bol. Donc, on m'a dit, en racontant un divertissement de Mère Yashoda avec son enfant, elle a un espoir que quelques désirs de vouloir comprendre, réaliser ce divertissement et vouloir y participer un jour ou l'autre se manifestent dans notre cœur. Donc, elle est très contente d'être venue et maintenant, donc, elle arrête sa discussion pour pouvoir commencer, faire la cérémonie de l'art. Elle remercie tout le monde de l'avoir accueilli. Elle donne donc que notre lignée disciplique de maîtres spirituels vous accorde leur miséricorde, qui vous donne vraiment l'inspiration de, dans cet endroit paisible de pratiquer votre vie spirituelle. À l'extérieur, il y a le feu qui crépite et qui brûle tout sur son passage, cette vie matérielle. Mais ici, à l'intérieur, donc aussi en Angleterre, le Ganga Mata sont venus aussi. Que des ladies qui sont donc ici avec nous aujourd'hui, elles vivent ensemble, il n'y a pas d'hommes avec elles. Elles ont un centre en Angleterre, un centre au Brésil. Et elles prêchent la conscience de Krishna, et elles sont très très heureuses. Donc on vous souhaite le même bonheur, la même situation. They can do Kirtan, what Kirtan we have done. Quel Kirtan vous faites?